le 29 aujourd'hui dans le mois de Shvat. Et Béchara Tova, on dit en hébreu, dans la bonne heure, ou Mazal Tov, ce soir on rentre dans les mois de Hadar. On a cette année deux mois d'Hadar. Si vous calculez toutes les journées qu'il va avoir de joie, c'est 60 jours de joie. Et je pense qu'on doit profiter, se préparer, car on est tous dans des moments compliqués. Je parle surtout de ce moment-là où on est encore en guerre, on ne sait pas où on va, comment ça va se passer. Mais déjà dans le Talmud, il y a 1700 ans en arrière, dans le traité Betza, je crois que c'est dans la page 16 ou 17, la Gemara dit « Arotze shit kaimu nechassav ita'am bahem adar ». Si je traduis mot à mot en français, si quelqu'un il veut que c'est bien, tout ce qu'il a, ça va se réaliser, il faut qu'il va planter ou semer dedans Adar. Adar, c'est quoi ce mot-là? Pourquoi il porte ce nom Adar? En hébreu, c'est Adir, c'est géant. Tous les mois, la majorité des mois qu'on connaît, ils ont des noms babyloniens. Adar, c'est un nom en hébreu. Pourquoi c'est des moments géants? Alors, le rabbi de Lubavitch disait toujours que quand on a l'occasion d'avoir une année où il y a 60 jours de mois d'Adar, alors tout ce qui est la tristesse, déprime, stress, colère, ça s'annule dans les 60. On a une halakha connue dans la cacheroute, dans beaucoup des sujets. Batel Beshishim. C'est quoi Batel Beshishim? Quand il y a 60 fois la quantité de ça, ça annule tout. Et même s'il y a 100 grammes de lait qui est tombé dans 6 kilos de viande, ah, s'il y a 60 fois, très très bien. Ça annule. Ce qui veut dire à Botaï que tout ce qu'on a passé, qui était compliqué et tout, si on veut, hein, ça s'annule à partir de ce soir. Comment c'est marqué dans l'Alakha, Mishenichna Sadar Marbim Besimcha? C'est pas marqué quand il vient le mois d'Adar. En hébreu, Ba'adar. Non, Nichnas, ça veut dire il rentre. Que tu veux ou tu veux pas, le mois d'Adar, c'est des journées de joie. Si tu fermes la porte quand même, le pauvre, hein, tu l'accueilles pas et tu veux pas, tu veux continuer avec cette situation. Malheureusement, c'est dommage de ne pas profiter de cette annulation de 60. Et pour cela, Rabotaï, chacun qui a des problèmes, même des problèmes de justice, c'est dans la halakha. Et s'il peut choisir la date, hop, choisis le mois d'Adar. Problèmes médicaux de santé, mois d'Adar. Alors, si Dieu veut, on va tous faire un double effort cette année. C'est pour ça aussi qu'ils ont choisi que s'il faut rajouter un mois dans le calendrier hébraïque, ils ont choisi le meilleur mois pour le doubler. Le meilleur mois, c'est Adar. Tout ça commence ce soir. Alors c'est important qu'aujourd'hui, on fait une petite préface, une préparation. Chacun qui l'accueille à partir de ce soir et demain et Shabbat, le mois d'Adar comme il le faut. Je sais que dans le côté de nourriture, Baruch HaShem, on est au top et chacun, il sait bien faire une belle table. Mais même dans le côté de Tehilim, ce serait bien rajouter dans l'étude. Je parle déjà aujourd'hui, hein, veille de Rosh Chodesh, préparation. Parce que quand il rentre, tu as un invité qui arrive. Même si tu n'as pas fait un peu le jardin ou la maison ou le hall pendant quelques temps parce qu'il faisait froid, il pleuvait, on était dans la guerre. Mais si tu sais qu'il rentre ce soir, tu ne fais pas un peu le balai dans la rentrée, tu arranges un peu les plans, tu fais que ce sera accueillant. Alors voilà notre devoir pour aujourd'hui. Comme ça, Bezrat Hashem, avec ces doubles mois d'Adar, ces 60 jours de joie, on va pouvoir, si Dieu veut, mieux comprendre, s'en sortir, monter, joyeux, bonne santé, excellente journée, Hodesh Tov pour ce soir. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi